Et jour de carnaval ici à Dunkerque, on espère évidemment célébrer du côté des supporters du BCM avant-dernier de Betclic Elite et qui reste sur un revers. Blois aussi veut se rattraper après la cruelle défaite face à Rouen la semaine passée. On espère évidemment que l'enjeu ne gâchera pas la fête dans ce match capital pour le maintien. On va chercher tout de suite Rashard Kelly en dessous pour le post-up. Barbic mettre un système en place. L'écran de Kelly et qui va aller seul au cercle. 4 points de la DA Blois ce soir dans ce premier carton. 4 points de Rashard Kelly. Thomas Cornelli disait face à son ancienne équipe. Bernd Meskel, on va aller chercher à l'opposé. Chris Babb à 3 points. La filoche de Chris Babb. De Brice Dessert. Pas de réussite. Pour Bernd Meskel. Oula, attention. Et Armel Traoré qui se rattrape bien et qui offre ce 3 points dans le corner à Milan Barbic. Particulièrement réussi encore cette année. Chris Babb, non, c'est pas Chris Babb, autant pour moi. Si, c'est bien lui, Chris Babb évidemment à 3 points. Graveline a un petit point. Cornelli sur Barbic, évidemment ils se connaissent. Armel Traoré bien servi par le français. 1 contre 2. Thomas Cornelli avec l'écran de Landry Noko. Et il a mis l'épaule, Landry Noko. Rion Brandt s'est écroulé, pas de faute sifflée. Stockton va faire sa Fofana. Il n'avait pas marqué la semaine dernière. Il retourne avec son propre rebond. Et il est allé vite vers le cercle, l'ancien Choletais. Qui est revenu pour apporter un peu plus de danger offensif dans un 5 qui en manquait. Et enfin une réussite à 3 points. Oubliez la réussite au tir. Kerem Kanter, c'est plus simple. Canteur qui était sorti pour bloquer la route de l'Américain et à la fin de cette belle circulation de balles. Ensuite, ils ont planté le drapeau. Clyburn, est-ce qu'il s'est fait contrer? Van Domont et qui prend sa chance. Chercher en bas, non, finalement. C'est Armel Traoré qui va jouer. Chris Babb, la belle passe d'Armel Traoré. La bonne lecture pour Kerem Kanter. Et enfin, son compteur à 3 points qui se débloque au Turc. Et Milan Barbic qui a regardé Michael Hay. Kerem Kanter, la belle passe pour Milan Barbic qui coupe ligne de fond. Stockton qui regarde tous ses coéquipiers. Chris Babb et Chris Clyburn. Chris Babb, le voilà. Oh, il s'est fait l'espace. Chris Babb, il adore ses tirs. Et avec un peu de réussite. Et Carberry, de retour sur le parquet, est déjà en évidence. 7 points, 7 d'évaluation, 100%. Tobin Carberry. Et peut-être avec la faute, oui, accordé ce panier de Valentin Chéry qui va aller sur la ligne pour s'offrir un bonus pour l'ancien de l'ADA, Milan Barbic. Carberry à 3 points, lui, il ne se fait pas prier, Tobin Carberry. Oh, l'épaule, presque le coude
de Hadji qui s'est fait la place. Corneli, la feinte de Bernd Meskel et l'interception de Brown. Armel Traoré va aller au bout, tout seul comme un grand. Armel Traoré. Il y aura 10 secondes. 10 secondes pour Carberry pour déclencher. Tony Carberry à 3 points sur Nonko au buzzer du deuxième quart-temps. Le 3 points de Tobin Carberry qui va donner 6 points d'avance à la DA à la mi-temps. Sur votre application Squeak. Stockton, le flotteur et la faute. Loin peut-être de Michael Stockton sur la première offensive du match, de la seconde période, pardon. Par Richard Kelly. Chris Bab, lui aussi s'est fait la place pour ce petit tir. Kelly, il s'en sort bien, trouve Traoré. Pas de réussite, le ballon qui rebondit vers le cercle, brise des serres encore une fois. La mimine gauche et l'activité au rebond. À suivre juste derrière ces 4 rencontres de 18h30. Oh, la belle passe claquée de Michael Stockton qui s'en sort bien. Landry Noko à la réception et qui monte au cercle. Michael Stockton finit de envoyer vite un ballon pour la contre-attaque finalement. Il patiente et il va tout seul déposer ce flotteur. Stockton. Chris Clyburn a deux doigts de perdre ce ballon. Qui repose un dribble. Chris Clyburn à la fin de l'horloge des 24. Trouver des bons tirs. Pour la DA, bien exécuté offensivement. Canter, il est passé. Et il va vers le cercle. Kerem Canter. À la fin de ce troisième carton. Et c'est qui, évidemment, Kerem Canter, qui fait passer Blois devant à la sirène du troisième carton. Quel match pour le Turc, quelle intégration au deuxième match. Il peut aller chercher la planche. C'était trop compliqué. Thomas Corneli. Hadji, le speed move. Et Hadji qui écrase le cercle. Et il a mangé, rien de moins. Oh, la belle passe à l'opposé pour Hadji. Hadji, il est là. Et il va prendre ce tir de loin. Enfin, il rentre un tir à 3 points. Passe décisive pour lui ce soir. Et il va aller au cercle, Milan Barbic. Il suffit que je dise ça pour que Milan Barbic marque 2 points de plus. Pour l'avant-dernier, Golub est élite. Graveline et Blois à 2 victoires d'avance, mais 2 matchs d'avance également. Et va faire sa Fofana prouver ligne de fond qu'elle est. Corneli. C'est manqué à la fin de l'horloge. Carberry a le rebond, non? C'est Vafessa Fofana qui a ce ballon. La belle passe de Corneli pour Hadji qui vient péter un dunk pour la deuxième fois dans cette deuxième mi-temps. Réveillé. Carberry avec l'écran de Canter. Canter libéré. La belle passe pour Armel Traoré qui s'envole. Elles vont être tendues et très chaudes ces 2 dernières minutes. Barbic en bas pour Armel Traoré en 2 temps. Armel Traoré qui s'y reprend à 2 fois. Stockton, la belle passe pour Hadji, le service de Landry Noko. Technique. Les voilà, les supporters du BCM.
déguisé évidemment pour ce week-end carnaval et qui vont peut-être pouvoir faire la fête. Tir très très important et encore une fois, c'est à Johanna qui, après cette rencontre, Hadji, oh la belle passe, magnifique pour Chris Clyburn qui s'en veut. Et non, on n'a pas mis les tirs qu'il fallait pour l'ADA dans cette fin de match, obligé de faire faute. Il reste 2 secondes, pas de temps mort pour l'ADA. Et ça va se finir là-dessus. Victoire du BSM, la fête sera totale pour ce week-end carnaval. Une victoire face à un concurrent direct. Michael Stockton a lancé la révolte. Marouane Hadji a fini le travail Gravelines qui aura été costaud.